Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez aujourd'hui une bonne journée. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater une nouvelle vidéo, alors désolé, donc j'ai pas une GoPro, donc malheureusement j'ai pas le grand angle, mais voilà. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vous avez vu, il fait beau, c'est le printemps, tout le monde est content, mon frérot. Alors aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, enfin, je vous l'ai pas dit, mais là je vais vous le dire, putain, mais qu'est-ce que je peux être con, des fois c'est un truc de ouf, c'est insupportable. J'ai monté mon nouvel échappement. Donc je suis très heureux parce que ça faisait longtemps. La voiture, j'ai quand même acheté il y a maintenant un mois. Donc c'est quand même rapide, mais pour moi c'est un petit peu long. Donc j'ai acheté un échappement sur le bon coin. J'ai pris du temps à le trouver parce que je voulais pas payer un échappement 400-500 balles. Tu l'aurais compris. Donc comme vous le verrez, j'ai pris une demi-ligne. Donc une demi-ligne, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Demi-ligne en fait, donc c'est un silencieux tube. Donc en gros, il n'y a plus de silencieux et il n'y a plus d'intermédiaire. Donc en fait, il reste juste le kata. Donc c'est pas un foutu parce que le kata, mais c'est un 4 bac. Enfin, c'est une demi-ligne quoi. Mais c'est en inox. Donc ça va plutôt gueuler. Je pense que la voiture maintenant, elle va faire des petits ronronnements parce que la 4S, on voit qu'elle va en faire à autour, mais qu'elle en fait pas à cause du silencieux. Je pense qu'il doit un peu brider tout ça. Feutrer tout ça, comme on dit. Tirer un petit journaliste, mon petit frérot. À savoir que, comme vous savez, moi j'ai la ligne à Krapovic. À Krapovic, je sais pas comment on dit, frérot, je suis pas polonais. À Krapovic. Donc, le bruit est déjà beaucoup mieux que d'origine, que le 4S normal, parce que. Oh, attends, j'ai cru qu'il y avait des flics, frérot. Parce que, bah, du coup, moi j'ai l'atrophie. Donc, l'hypertrophie dit que j'ai la ligne à Krap d'origine. Et vous l'avez compris. Donc, le bruit est déjà mieux que d'origine. Quand la voiture sera chaude, je vous montrerai comment c'est. À savoir que la vidéo de présentation de la Clio 4S, elle est tournée. Elle sortira, je pense, semaine prochaine, voire dans une ou deux semaines. Mais ça va être marrant, vous allez voir. J'ai fait la course avec un mec, c'était pas prévu, c'était assez marrant, frérot. Donc du coup, je disais quoi? Je me suis oublié. Ah oui, la ligne d'échappement. Donc je vous ferai là des retours. Vous allez voir qu'en fait, la ligne, juste le point de la ligne qui est positive, c'est que la ligne, vous allez voir qu'elle pète au rapport. Ça, c'est dû à la Krapovic. Maintenant, sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de retours ou très feutré. Voilà, il manque un peu d'agressivité, malheureusement. Donc, moi qui aime le bruit, moi qui est jeune, moi qui est un peu dans le tuning, ça ne me plaisait pas. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté une ligne. Maintenant, heureusement, j'ai trouvé d'occasion. J'ai payé 150 euros. De base, ça coûte 400-500 euros. Donc, j'ai fait quand même une très grosse économie. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chez mon ami. Là, c'est à peu près à 20 minutes de chez moi. On va aller monter la ligne, il va me la monter parce que lui il sait faire. Donc il va monter la ligne, puis après donc, je vais vous faire un avant-après. C'est pour ça que là j'ai bientôt bombardé. Alors, RS Monitor, je vais voir si la voiture elle est chaude. Pour un peu vous montrer, là on est vite fermé. Mais voilà, donc je trouvais que voilà, ça manque un peu de caractère. Alors par rapport. Attendez, ce que là je suis à une main, c'est compliqué frérot. Ta mère. Voilà, bon, 58. Ah ouais, non, elle est vraiment froide. Putain la vache. Donc je vais devoir attendre et puis on se rejette tout à l'heure quand je pourrai un peu taper dedans. Sinon, n'oubliez pas donc de vous abonner à mon Instagram, donc c'est lgn-automobile, parce que comme vous pouvez le voir dessus, je pose toutes les nouveautés. Donc juste avant que je mette sur YouTube, je vais mettre sur Instagram beaucoup de sondages, je parle beaucoup avec vous. Donc j'essaie quand même d'être le plus présent possible. Donc ça serait important que vous, vous allez dessus. Et puis du coup, n'oubliez pas donc de vous abonner, partager, commenter. Vous avouez que j'en ai marre de le redire parce que ça fait vraiment forceur. Mais malheureusement, c'est grâce à ça que je peux avancer sur YouTube, avoir donc le référencement, etc. Mais je sais que ça vous fait chier. Moi, ça me faisait chier quand on regarde des vidéos YouTube que les gens ils passent leur vie à dire ça. Ouais, mets un pouce bleu. Ça fait chier, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça, avec un grand merci. Et puis on se retrouve quand la voiture elle est chaude. Bon, les amis, la voiture, donc elle est maintenant chaude. Il y a quand même beaucoup de bruit. Je sais pas si vous allez quand même bien entendre. Vous allez voir qu'en fait, ça passe juste au rapport le bruit. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est vraiment juste au passage de rapport avec quel jury. Vous voyez? De toute façon, après, je vous ferai des reps à l'arrêt. Malheureusement, aujourd'hui, je suis tout seul. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas vous faire un avant-après de l'extérieur parce que c'est vrai que c'est vraiment extérieur où on entend plus la voiture. Voilà, là, je joue vraiment avec les vitesses pour vous montrer que voilà, c'est vraiment quand elle passe les rapports. Voilà.
Alors c'est un peu difficile de à une main. Vous voyez quand même que ça marche bien, enfin ça rentre bien, mais voilà quoi. Il n'y a quand même rien. Donc maintenant je vais vous montrer quand je pourrais m'arrêter faire des reps. Et puis après on va se retrouver avec mon pote. Donc de l'extérieur je pourrais vous faire des reds. Alors je sais pas si on dit reds. Franchement la vie de ma mère les gars j'ai jamais su vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour moi je dis toujours des reds. Reds. Moi je dis des reds avec un B. Donc je vais vous faire ça. Et malheureusement les plans extérieurs ça sera compliqué à faire je pense. Vous voyez? Alors, je vais vous faire un départ en deux si je peux. Voilà. Bon allez, les amis, à tout à l'heure, on se voit avec mon pote. Je vais mettre un bruit, vous entendez un peu le moteur. Bon du coup là les amis, j'ai pas trop pu filmer. Hein. Mais regardez, l'échappement il est en dessous, donc vous voyez qu'il n'y a plus la gamelle. C'est un échappement qui est full tube. Voilà. Je sais pas si je peux vous montrer l'autre. Ah là voilà, c'était comme ça avant. Bon. Avec la grande gamelle, donc Acra. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut savoir sur les Clio 4S, c'est qu'en fait, vous avez déjà l'intermédiaire où il n'y a pas de gamelle. C'est déjà un full tube au niveau d'un. Vous voyez, l'intermédiaire, c'est déjà un full tube en fait. Enfin, c'est déjà un tube. Il n'y a que silencieux que du coup, bah, j'ai enlevé. Mais on a vraiment galéré, donc je sais que j'ai pas trop filmé parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus. Là, on est J+4 au moment où j'ai fait au début de la vidéo, là où vous m'avez vu dans la voiture. C'est quand même passé 4-5 jours. Il y a eu des galères et tout. Donc voilà, donc là je suis content de vous montrer que la voiture, normalement c'est bon. Je vais vous montrer quand la voiture sera démarrée. Là, on est en train de, voilà, de serrer, etc. avec les boulons. Après, moi j'ai rien fait, hein. C'est mon pote qui a tout fait. Et voilà, donc je vous montrerai après. Comment ça se passe quoi, la galerie, est-ce qu'il y avait une vis qui était bloquée et tout. Hein. Et puis là-bas il y a le diffuseur, en fait on a galéré à enlever une vis, on a dû la défoncer et tout. Je vais devoir en racheter une. Vous voyez ici là, oh, vous voyez on l'a défoncé avec un des bourrins par rapport à celle là-bas. Voilà, là on l'a vraiment défoncé quoi. Là, voilà, et bien que c'est du Acra. Voilà, bon les amis du coup, sans trêve de plaisanterie. Hein. On se voit tout à l'heure quand bah, du coup on aura avancé quelque si je puis dire. Tout est monté, on va bientôt démarrer la voiture. J'essaie quand même de vous montrer en dessous comment c'est. Mais ça va être compliqué parce que j'ai pas un grand angle. Voilà, vous voyez, donc là on a raccordé tout. On a mis donc du bandage d'échappement, du massif d'échappement, et puis là on sert d'Arislin. Vous voyez que c'est un foot tube. Bon là malheureusement voilà. Bon. Voilà en gros le jazz. Je sais pas comment je filme, c'est un peu bancal, je vous avoue. On est comme sous une voiture. Et. Ça tue les conneries. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer là dans quelques minutes. On va la démarrer pour voir si tout va bien, pour resserrer au cas où, etc. On va tout resserrer, puis après ça va être bon. Voilà, donc on se retrouve, je pense, en voiture. Ou... Non, on va se retrouver au Cold Start, je pense. Sa gueule, hein. Sa gueule. Les gars, dites-moi pour l'instant ce que vous pensez de la voiture. Franchement, elle ronronne à fond, sa mère. Donc après, on va faire des essais routiers et tout pour voir le bruit. Mais déjà là, je trouve que ça change déjà la différence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, on est extérieur, on va faire la vidéo YouTube. Bon voilà, je pense que le message est passé. Donc là, on va faire les essais routiers.
digne de ce nom. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la voiture. Moi, ce que je voulais, vas-y, tu peux aller, frérot. Je vais essayer déjà de conduire mon pote. Tranquillement, comme ça, moi, je vais vous parler tranquille. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment une voiture. Bah, déjà, quand vous, déjà, je pense que des gens le savent. Sache, frérot. Ouais, sans courant. C'est que, en fait, les 4 RS de base, quand tu modifies l'échappement, en fait, elles font beaucoup de bruit. Enfin, elles pop beaucoup. Et moi, j'ai hésité à mettre un pop d'origine. Enfin, mettre un pop. Donc, mais je me suis dit, bon, tout, tu vois, un pop, c'est quand même pas conseillé quand on n'essaie pas un pop d'origine parce que ça peut quand même abîmer la voiture. Donc, on t'appelle, attends, et donc, du coup, voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai vraiment l'agréable surprise que elle fait vraiment des pop de ouf. Alors, je sais pas si des pop ou. Déjà, vous en avez ou pas le son là? Je sais pas si vous allez entendre. Le son 6, je pense que vous entendez, mais vraiment, elle pop pour rien. Et à 3000 tours, 3-4000 tours en 3ème, là c'est vraiment une mitraillette. Et vous voyez là il a plus à peine. Hein. C'est vraiment incroyable, le bruit incroyable. Le son est vraiment incroyable. Donc voilà, donc, je suis content parce que ça pète beaucoup. Et puis vraiment à bas régime, hein, quand tu conduis normal en mode confort, qu'est-ce qui fait du bruit. Mais genre là c'est un peu trop, mais tu vois, c'est un peu ce que je kiffe. N'hésitez pas à me dire, vous voyez comment ça pop. Après, je vous ferai des plans de dehors ou un peu tartiner pour vous montrer la voiture de dehors. Mais je pense, parce qu'en fait, pour l'instant, on est qu'à l'intérieur, donc je ne connais pas trop le bruit de dehors. Mais vu la tête que font les gens, je pense qu'il y a matière. Il y a matière grise, sur ce que je veux dire ou pas. Je pense qu'il y a matière. Donc voilà. Donc là, on va se retrouver après. Je vous ferai des plans de la voiture extérieure et puis je conduirai aussi tout à l'heure pour vous montrer après le bruit de la voiture. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire. Donc pour vous rappel, même si je dis dans la vidéo, donc c'est un full tube, il y a juste le kata, donc c'est un full tube après kata. Donc silencieux intermédiaire et puis tout contre à l'air quoi. Vous voyez comment ça pète. Mais ça, les 4S pour ça, c'est les seuls Renault Sport qui font ça, hein. Avec les méga 4S, ça n'avait pas ce bruit là. Enfin, ça pète pas comme ça. Il y a des petits retours, mais là c'est même plus des retours, frérot, c'est tout ce que je veux dire. Bon allez, trêve de plaisanterie, on se voit après. Qu'on entend, je sais pas si vous entendez, de toute façon il va revenir, je pense que vous arrivez à entendre, ça va être bien. Il va devoir passer là, il va arriver, vous inquiétez pas, il va essayer vraiment de popper juste devant vous, parce que moi aussi pas le but, pourquoi je suis là et pas je conduis, c'est pour aussi me rendre compte de ma voiture. Il va essayer de popper, alors je me tais. Ouais, franchement, on entend vachement bien, mais je suis choqué là, une même heure, je suis choqué. Comment ça pop? Après, c'est pas vraiment un pop, donc c'est pas comme les Golf CTR et tout, mais pour une française, franchement, vous voyez bien quand même que ça pop. Là, il était tout à l'heure, il était à bien 50 mètres de moi, et vous voyez bien quand même que ça popait pas mal. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore une fois. Bon, maintenant, je pense que j'ai assez fait de plans extérieurs de la voiture, j'ai plus faire quand je conduis de l'intérieur, mais bon, je pense que c'est moins intéressant. La vidéo là, comme. J'ai commencé la vidéo il y a 3-4 jours, après il y a eu aujourd'hui, il y a eu hier, il y a eu truc. Donc je pense que j'ai pas trop non plus faire. Je pense que là c'est quand même pas mal, frérot. Bon allez, on se voit tout à l'heure. Ouais, du coup les amis, voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que comme moi vous serez content de voir cet échappement qui est franchement c'est incroyable. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, partager, commenter, activer aussi la cloche de notification. J'ai vu qu'on a dépassé la barre des 500 abonnés, je veux vraiment vous remercier par rapport à ça. Et puis j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux. Donc sur ce, je vous ferai un petit dernier truc, frérot, de l'intérieur, pour vraiment que vous voyez le diable que là. Allez, c'est parti.